Bonsoir et bienvenue à Pokémon version Uranium en Nuzlocke Challenge. On se retrouve donc à la centrale nucléaire Epsilon avec un temps de chien et l'équipe qui n'a pas changé. Donc l'épisode 15 fut un épisode un peu de transition où j'ai plutôt parlé à tout le monde, fait du green et tout ça. Là l'épisode 16 ça sera très sérieux, on va taper, on va explorer, on va avancer dans la quête principale. Donc avec l'équipe qui n'a pas changé. Donc Renard... Archil niveau 40, Wigiloté donc Nymflora niveau 39, Tinkara c'est Servacier niveau 20-38, Kualune qui a évolué à la fois en Cyanobuff niveau 39, Nera qui elle aussi a évolué en Fainoyant en dernier épisode niveau 39, et Sylmama niveau 39, Faramp. Donc on va tout de suite se diriger au sud, malgré ce temps de chien, ce qui me donnerait presque envie de leader avec un Pokémon haut. Point d'exclamation de ta tronche. Cette île n'est pas un bac à sable. Allez, droit au but. Togekox, c'est un Pokémon poison ça. Avec un cri de Noceralto. Comme il pleut, bien sûr, j'ai pas le choix, je dois faire ampleur. Magnifique 8. C'est super efficace. Normalement j'ai pas le droit de switch gratuit, il va falloir que je repasse rapidement sur les options. Allez, une bonne ampleur. Ouh là là, niveau 10, il est massacré. Merci pour le Poké Fricator. Je vais vite corriger les options, elles sont pas bien réglées. Alors je veux défini et les animations de combat, c'est plus sympa avec. Ah, première rencontre du coup. Ah non, close doublant. Alors ici, vous voyez qu'il est tout vert fluo, ils sont irradiés. Alors du coup, je peux l'exploser. Vu qu'elle a close... Ah putain, je vais faire un truc super, super important. Rwanar niveau 41, merci. Ah, vitesse extrême. Je vais pas la prendre parce que retour, ça fait plus de dégâts. Et puis, il a une stat de vitesse déjà de base cheatée, donc il aura quasi toujours l'initiative, autant se dire. Ouais, 118 de vitesse. Alors, je vais faire un truc important. Oui, pour la première rencontre. Je vais mettre Sylmama en premier. Je vais lui enseigner temporairement une set importante. À moins que ce soit plutôt Wigiloté. Non, pas Pokémon, objet. Vous savez la hantise de la première rencontre, rater la capture et tout ça. Et bien comme les CT sont illimités, que j'ai pu acheter la capacité fauchage en centre commercial de Vagune. Et bien je vais temporairement la prendre. Ah mais ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas parce que le problème de Roi Lunar c'est qu'il brûle en contact. Bon, tant pis. Ah mais j'ai pas la bonne équipe. Et comme je suis coincé sur tes... Oui parce que dans la quête principale... Non pas toi, échanger. Alors du coup on va récupérer ta pièce rune. Non pas... Problème de menu. C'est ça le problème quand c'est un CS Slave. Il faut appuyer une fois de plus sur la touche bas. Alors je vais donner la pièce rune parce que voilà, j'ai envie de te la donner. Là, je pensais pas qu'il y aurait que Rwanar qui serait apte pour cette capacité. Pièce rune. Oui, oui, oui. Tu mets vert, s'il te plaît. Bon, on va te donner les restes, toi. Reste, reste, reste. Ils sont les restes. Et oui, j'ai toutes les récompenses du casino. Enfin, peut-être que je les range dans le PC, histoire de un petit peu vidanger l'inventaire. Chouette, j'en ai acheté en casino, donc ça sera pas toi mon premier. Close des doublons, vous avez compris. Alors, allez, vent plus baiser. Critique. Alors, pour info, les Pokémon nucléaires, c'est-à-dire vert fluo. Tous les Pokémon ne peuvent pas être irradiés. Il y en a qui sont immunisés. Oh là là, encore un doublon. Alors il y a deux Pokémon, il n'y a que deux Pokémon que je peux avoir ici. Il y a le censure. Donc c'est sûr, du coup je vais devoir le capturer si je tombe sur lui. Et il y a un autre Pokémon de type poison il me semble. Non, voilà, lui. Ça sera Tynoxure du coup. Alors le problème c'est qu'il est type normal. On va faire poudre dodo, on va l'endormir. Alors il est facile à capturer normalement.
Par contre, je peux pas prendre le risque de l'affaiblir, donc ça va directement Pokéball. Elle est où ma Pokéball? Elle est là. Bon, j'en ai plein de toute manière. Pokéball, go! Allez, j'ai 2 chances sur 3 de le capturer. Ah, c'est pas passé. Boum! La prochaine fois, mettez un bruit de ronflement. Pokéball. Pokéball, go! Parce que là, vu que je suis quasiment en overgreen, je peux pas me risquer de le taper. Et j'ai capturé un Tanoctur! Pipikachu! Radioactif, celui-là. Pokémon raton chien. Les Tanoctures sont malveillants et volent régulièrement de la nourriture aux petits Pokémon aux dresseurs de passage. C'est un Médiéna. Alors, j'ai prévu quel surnom pour lui. Morusco. Attends, fou. Alors, c'est bon, j'ai pas besoin de clavier spécial. Donc, ça veut dire sombre renard. C'est la signification. Ouais, j'ai prévu quand même un surnom. Voilà, bon. Je l'utiliserai pas. Parce qu'il est radioactif et les Pokémon radioactifs, ça. C'est pas très docile. Ouais, on va l'idée avec Wigile le Terre. Ça, c'est fait. Un Taminetic radioactif sauvage apparaît. Il pleut. Merci. Attaque Plécroix. Poum, poum. Façon insecte. Parce qu'il attaque coup croix aussi, mais c'est type combat. Alors, il faut bien que j'explore l'île parce que c'est un point de non-retour à cet endroit. Hein. Tu as trouvé ce qui clochait avec ce Pokémon? Scientifique, il sait que se battre. Par audio. Avec son casque audio. Il pleut. Plécroix. Chic-chlou. C'est super efficace. Au revoir. Oh, il est censuré, lui. Alors, il est déjà type poison et psy. Poison psy... Bah, Plécroix, du coup. Hein. Au revoir, censure. T'es censuré. Écrabouillé. Alors, comme... j'ai pas envie de m'emmerder, on va mettre du repousse. Ouais, parce que j'ai envie de mettre du repousse. Voilà. Toi, je te défie. Aide-moi à dresser ce Pokémon nucléaire. Oh, un commit. Bon, il n'y a que 3 dresseurs, ça sera vite réglé. Il pleut. Donc je disais que dans cet endroit où il pleut, là, l'île Epsilon, c'est un point de non-retour. C'est-à-dire que tant que vous êtes là, vous êtes bloqué, il faut finir la quête en cours. Il m'a pas rendu fou, c'est bon. Et... A l'inverse, une fois que vous avez fini ce qu'il y a à faire là, vous pourrez plus jamais revenir ici. Donc il y a intérêt à prendre tous les objets qui traînent. Les croix. Bzz, bzz. L'insecte vous frappe en croix. Ils sont comme assez riches ici. Merci. Oula. Là voilà la vieille centrale avec le symbole atomique. petit zoom ici. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai retourné ce coin à essayer de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer ce qui est arrivé. Évidemment, en vain, presque tout a été détruit dans l'explosion. Ce qui n'a pas été détruit a été brûlé dans le feu qui a suivi. Le bâtiment est en décrépitude, il est prévu de le démolir bientôt. C'est peut-être la dernière chance qu'on a de découvrir ce qui s'est réellement passé. Toutefois, je doute qu'il y ait quelque chose à trouver. Tu comptes y pénétrer? Ben oui, hein. Évidemment, c'est le dernier endroit où j'ai vu ta mère, mais c'est très dangereux. C'est pourquoi... Tiens, je t'ai mis une balise. Balise Arcos, si quelqu'un t'arrive, t'es blessé, on viendra te chercher, c'est une promesse. Maintenant, je te suggère de soigner tes Pokémon, de prendre des vivres avant d'entrer. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Bon, c'est bon, je suis quasiment full vie. Alors, je vais juste faire un petit barreau d'honneur dans l'île, voir si j'ai pas oublié un petit objet. Allez, un autre pouce. J'en ai tellement maintenant. C'est pour être sûr que j'ai rien oublié. Non, allez, on finit ce barreau d'honneur. Ouais, c'est bon, je vais plus repousser. Et à peine je repousse plus. Wouh! Minulotte! Il pleut, je m'en fous, Plécroix. Allez, dépêche-toi. C'est super efficace. Oui, parce que le type nucléaire, il craint tout. C'est pas compliqué. Sauf le type nucléaire. Un Médiéna, sauvage à part. Nucléaire. Ouais, faut quand même que j'économise mes pépés, hein.
Je vous rassure, j'ai pris plein de BM Epo. J'en ai cultivé pas mal. Histoire de... Si je suis coincé dans un donjon ou ailleurs, que je peux... Ah, mais arrêtez de me harceler, bordel! Mitra, il a touché. Ah, ouais, c'est bon, je fuis, là. Oui, il pleut. En plus, il y a la pluie qui me fait perdre du temps. Ah oui, la musique est différente aussi. Allez, juste parce que je t'aime pas, je te fais une plaie croix. Voilà, t'es content. C'est aussi parce qu'il donne 400 XP. 352 au lieu d'une centaine. Voilà. Attaque magnétique, sauvage apparaît. Il pleut. Allez, les plaies croix. Bim, bim. Spam, spam Pokéstrat. Allez, on rentre. Où il fait sombre. Obtient carnet brûlé. T'as genre ce que c'est cet objet. Sac. Soin Pokéball, B, Mei, objet de combat. C'est objet rare. Tiens. Ah, vous ne pouvez pas lire les lettres dans ce jeu. Carnet brûlé. Alors il y a 5 pages à trouver. Les décoûts avancent, 0,92 de biofibre, radio, IL2, reconstruire, endommagé, pas jeté au carnet. J'aurais presque envie d'apprendre temporairement l'attaque flash à mes Pokémon. Alors, taille nocturne, c'est un doublon, donc du coup, il reste plus que censure à capturer. Bon, puis baiser. Baiser de fée. C'est extrêmement efficace. Dégâts x12. Ouais, niveau 40, t'es content, allez. Voilà, ça sera ça notre capture. Attaque, poudre dodo. Parce que le problème des nucléaires, bah, c'est comme ils craignent tout, et comme je suis en overgreen par rapport aux Pokémon sauvages, bah, ils vont être one shot, c'est sûr. Donc, sac. Pokéball. Go! On lance la Pokéball. Allez, 2 chances sur 3 comme d'habitude. Et ça s'échappe. Boum. La prochaine fois, mettez un ronflement s'il vous plaît. Pokéball. Numéro 2. Boum. Bon, j'ai la réserve. Hein. Allez, allez, allez. Oh, j'ai vraiment pas de chance là. Boum. Non, non, non. Pas utilisé. Pokéball. Pokéball. Go. Allez, allez, allez. Et je capture une censure censurée, Pipikachu. Ouais, c'est une censure. Ouais. Pokémon Sensu, poison psy. À ce stade du développement, la technicité de censure est faible. Il s'accroche à ses proies et sur leur vitalité. Un surnom obligatoire quand même, parce qu'il est... Comme l'intérieur de la centrale, c'est pas la même liste de Pokémon sauvages, donc ça compte comme une nouvelle zone. C'est Cercyline, avec un S par contre. Merci. Ça veut dire sang et vert. Vert, la matière, hein, transparente. Hein. Ouais, parce qu'il y a une référence en calice. Bon, voilà. Donc, j'ai capturé officiellement... Ouais, j'ai capturé officiellement tout ce qu'il y avait à capturer, c'est bon. Les rencontres de chacune des zones. Et comme j'ai pas envie de... perdre mon temps sur les Pokémon sauvages, surtout que là je suis limite en limite overgreen. On va faire vaporiser pour éviter les rencontres aléatoires. Description dans le manuel de Pokémon rouge et bleu. Alors on va éviter de prendre les portes. D'ailleurs je vais sauvegarder. Parce que si je rentre à un endroit, si j'ai bonne mémoire, j'enclenche un script et donc la suite de la quête principale et c'est un point de non-retour. Je suis rentré là. Oui, repousse. Il faut que je trouve toutes les pages. Sont les pages. Ah, une page. L'IRM, onde cérébrale normale, spécimen incarné, pains indépendant. Nous allons supprimer. Merci. C'est de là où je viens, ça, non? Allez, repousse, repousse, repousse. Ok, on va rentrer là du coup.
Ok, il faut trouver une clé maintenant. Pas de page ici. Non, il n'y a rien, c'est bizarre qu'il n'y a rien. Repousse, oui. Là, c'est bien la sortie, on est d'accord. Enfin, le hall d'entrée, on va dire. Ok, donc il y a deux portes. On va aller ici. Une page, super. Oui, repousse. Rapport numéro 2, super. Je suis dans l'ordre. Noyau énergétique d'outre-île, une grande carburant nucléaire pour activer prod énergie presque infinie. Allez, j'en ai 3 sur 5. Puis utiliser du repousse, ça va faire gagner beaucoup de temps. Pas de clé là, non? Attends. Pas de carnet, je regarde bien parce qu'il fait un peu noir. Hein. Super, un objet. La clé. Et est-ce que c'est un rapport numéro 4 ou 5? Producteur charge, le docteur a autorisation. Ok. Oui, repousse. Donc je suppose que le rapport numéro 5 doit être devant, derrière la porte verrouillée. Allez, histoire de pas perdre trop de temps parce que. Bon, ça sera mon dernier repousse, non, normalement. Ah oui, la clé. La clé rouillée. Bien rouillée. Voilà le rapport. Il y a eu violation du code confidentiel devant être localisé souterrain. Le projet 092 doit être supprimé. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attends, faut que je lise avec le bon Pokémon quand même. Roanard, hein, je pense. Oui, Roanard, allez. Yes, no. Chambre de stase activée. Décompte de suspension. 10, 3, 1, 16, 4, 50. Secret, ça. Erreur. Instabilité détectée. Erreur, erreur, erreur. On est obligé d'activer ça pour avancer, hein. Oula. Vous utilisez le traducteur Pokémon. Tuer l'intrus, broyer, détruire, tuer. Merci Robocop. Oula, radioactif, il a le symbole radioactif sur le ventre. Et c'était un nest parasite, niveau 30. Donc j'utilise mon plus puissant Pokémon et ça va être une attaque ampleur. Oh, petite ampleur, tout doucement. C'est super efficace. Bon, il y a comme dégâts x4, hein, x6 avec le stab. Au revoir. Et là, les radiations vous font sentir étourdi. Je croyais qu'il n'y avait plus de radiation. Silence. C'est une torture de garder vos yeux ouverts. Vous vous évanouissez. Shit. Cameron. Anarion, Anarion, tu es là. Allô, Anarion, tu me reçois? Quelque chose est arrivé. Vite, Anarion a des ennuis. On est en chemin. Tiens le coup. Pimpon, pimpon. L'ambulance arrive. Une heure plus tard. Regardez, ils se sont réveillés. Pourquoi? Ils ont plusieurs alliés. Merci, Ursus! De rien. Anarion, tu vas bien? On est venu te chercher dès qu'on a remarqué que tu ne répondais pas à la radio. On dirait que tu as fait une très mauvaise chute. Ça va bien? Les Pokémon sauvages t'ont-ils attaqué? Non, je les ai repoussés avec leur pouce. Hein. Du produit chimique, insecticide, on sait pas. Bon. Radioticide, on va dire. Voilà. Tous les signes vitaux sont bons. Pas d'os cassé non plus. Par contre, on détecte de faibles taux de radiation dans leur corps. C'est une bonne chose que l'on soit venu. Les infirmières sont déjà traitées pour ton exposition aux radiations. On dirait que tu seras bientôt en forme. Qu'as-tu trouvé là-bas? Tu es parti longtemps. Donc tu as trouvé un certain document en partie endommagé. C'est fascinant, je peux le voir. Je ne sais pas comment ça a pu échapper à ma vigilance auparavant. Bah oui, il est à moitié brûlé. Hein. On dirait que ce sont des rapports de laboratoire, mais c'est bizarre. Je pensais que le bâtiment était une centrale nucléaire, pas un laboratoire. C'est en grande partie illisible, mais j'ai remarqué que le nombre 092 se répète plusieurs fois. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Oui, il y a écrit projet 092. Si cela ne te gêne pas, je voudrais faire quelques copies. Je dois l'analyser en profondeur. Allez, scanner. Bim, 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 bim. Et par-dessus tout, je suis content que tu t'en sois sorti sain et sauf. Je pense qu'il est clair que nous ne pouvons plus conserver la vieille centrale nucléaire. C'est une pépinière pour de dangereux Pokémon et une souillure malheureuse du passé. Je crois qu'il est temps qu'on la démolisse. Sauf qu'apparemment, il y a toujours quelque chose caché là-dessous. Hein.
Quant à toi, Narion, tu devrais partir depuis le quai. Je crains que la moindre exposition prolongée en radiation te puisse nuire à ta santé. Ouais, t'as déjà ton ADN endommagé. Tu peux informer ton père Kenin à propos de ce que tu as trouvé si haut et transmets à Théo mon affection. Au revoir, Narion. Bon voyage. Au revoir. Bon, bah, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Hein. On peut quitter la zone quête accomplie. Poum, poulou, poum. Allez, le bateau, quittons cette île. Loto, 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 loto. Voilà, vagune. Musique, Nénucric. Bon, bah, l'épisode va s'arrêter là. C'est bon, on a nettoyé la centrale nucléaire. Et on... Attends. On va... Il faut quand même que je fasse un dernier truc. Non, pas casino. Poste de police, s'il vous plaît. Voilà, commissariat. Ranger, je pense que j'ai un rapport à faire à mon père. Ouais. Au rapport. Oh non, non, tu as donné la lettre à Cameron? Non, je l'ai toujours dans mon inventaire, je sais pas pourquoi. Une bonne chose au fait. Pourtant, ces rapports sur des Pokémon étranges, mais qui tant qu'ils resteront sur cette île, ça devrait pas trop poser de problème. Ok, bon. Tout va bien. Alors, est-ce que j'ai le droit enfin de rentrer dans cette arène maintenant? Oui! Ah, il n'y a pas le sponsor de Volvic? D'un côté, il y a de l'eau partout, c'est la piscine municipale de Vagune. Oui, piscine municipale. D'un côté, il y a la mer juste à côté. Hein, donc... Bon, bah l'épisode va s'arrêter là. Attends, on va quand même découvrir nos deux irradiés. Déplacer Pokémon. Et comme ils sont irradiés, ben... je les mets en quarantaine. Oui, vous êtes irradiés. Vous allez en quarantaine. Comprendre que je les utiliserai pas pour Nuzlocke, même si j'ai le droit de les utiliser. Mais j'ai envie de les mettre là. Retire Pokémon. Non. Je vais juste regarder leurs statistiques. Donc, le type nucléaire ici, ça remplace le second type. Ou ça se met en second type. Alors, résumé. Il est radioactif. Et l'autre, il s'appelle comment, là? Non, pas toi. Ah oui, d'accord. Si... Si je décale mes... Non, c'est extérieur de la centrale nucléaire et l'autre c'est l'intérieur, c'est pas la même zone. Cran, au compte de l'attaque. Donc hors caméra, je les ferai évoluer. Voilà. Juste pour le Pokédex. Bon, voilà, l'épisode s'arrêtera là. La prochaine fois, bah, on se fera enfin cette arène et vu le niveau de mon équipe. Attends. Ça sera avec Léviator par contre, voilà. Vu avec moi. Mais je suis prêt, voilà. Je serai pas en overgreen pour l'arène qui va être quand même, on va taper sur du niveau 30 en tour, 31, 32. Mais bon, je suis quand même un peu limite. Mais on fera comme ça, ça devrait passer comme sur des boulettes. Donc merci d'avoir regardé, on va se regarder. On se retrouve pour de prochaines aventures, pour le troisième badge la prochaine fois. Petite évolution. Poum, 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 poum. Graniena. Félicitations, votre monstre avait voulu en tenir sinon c'est un Graniena. Voilà, c'était le petit bonus de la vidéo. J'étais en train de faire le revanchard pour faire plexer les deux Pokémon radioactifs. Et une encore, une évolution. Ça sera la dernière. Avec le symbole radioactif sur le ventre. Asparasite radioactif. Et voilà. Par contre, j'aurais bien la musique de Vagune. On récupère le multi-exp. Et nous sommes enfin prêts pour l'arène. Voilà, avec la musique, c'est comme. Alors, quels sont les nouveaux Pokémon découverts? Ça sera la fin du bonus après. Alors. Bon, ils sont où les Pokémon? Ils sont où? Là. Asparasite, Pokémon oiseau, c'est quoi ce nom là? Asparasite utilise sa télékinésie pour déplacer des objets derrière ses adversaires pour les empêcher de fuir, puis draine leurs énergies vitales. Sinon, de base, c'est pas le symbole radioactif qu'il a. Et lui, raton-loup. Dans la nature, les Tanox se font en groupe. Ils coopèrent avec leurs meutes pour chasser leur nourriture et s'occuper des Tanox. Ils s'occupent des Tanox sur les clés. Ok, voilà. Donc, fin de l'épisode avec les bonus. Ça, c'était les petits bonus. La petite mine de bonus, évolution. On va se retrouver cette fois-ci pour de bon pour l'arène au prochain épisode.